monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en forêt avec Léo aujourd'hui. On est en après-midi. Ça fait longtemps que j'avais pas amené le petit Léo pour un petit tour de randonnée dans les bois. Je me suis dit qu'on allait se faire une petite rando tous les deux, à juste sentir cette fraîcheur de janvier. Il fait un mois de janvier plutôt chaud. La neige et le froid de décembre qui nous ont ensevelis passés. Et on fait un janvier très doux. Et j'adore toujours ces magnifiques paysages de l'Ouest. Ces petites montagnes au pied des plus grosses. Ces forêts de sapins. Des sapins, de conifères, de toutes sortes. Entendre les écureuils qui piaillent. Le but principal, c'est aujourd'hui juste de respirer. Et oui, c'est difficile, on a l'impression dans ce monde de respirer. Et je vous conseillerais à tous de sortir un peu de... Si vous êtes stressé par ce monde et ces choses qu'on ne contrôle pas, je vous conseillerais à tous de sortir, de prendre une pause et de sortir... vous aérer les poumons et d'essayer de voir une vue avec un peu de ciel bleu, un ciel clair, voir les étoiles, voir le soleil. C'est le plus grand, le seul médicament que je conseillerais. C'est cette nature-là. Allez, on y va! Alors en fait, je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, c'est une question qui revient souvent depuis plusieurs années, que je vous emmène dans ma playlist, ma vie en rando. Elle est vraiment pleine, remplie de vidéos de moi ou de moi et Léo qui partons en randonnée. Et au fur et à mesure de ma vie en van et de ma vie dans le vent, eh bien, j'ai été amené à aller de plus en plus dans le bois, de moins en moins sur des sentiers balisés. Vous voyez, ça c'est un pas de loup. De plus en plus tout seul et hors des parcs nationaux, hors des sentiers un peu touristiques. Parce que moi j'ai ce besoin un peu de m'aérer l'esprit de manière de plus en plus libre en fait. Parce que c'est un peu proportionnellement relié au manque de liberté que je trouve qu'on a en tant qu'humain aujourd'hui. La nature, c'est une de ces plateformes en fait, où l'on peut encore avoir ce sentiment-là de connecter avec notre humanité et d'activer toutes les choses qui nous rendent humains et qui sont indispensables à notre bien-être. Et comme je le dis souvent sur ma page Patreon et dans tous mes blogs et dans mes vidéos, la résilience, eh bien, c'est être responsable, c'est prendre en charge son bien-être, être responsable de son bien-être. Et ça commence par là. S'occuper de sa nourriture, s'occuper de son chauffage ou de son chez-soi, de son toit, mais avant tout de soi-même. Et donc, je me retrouve souvent en forêt. Vous voyez ici, il y a une petite piste quand même des quads qui passent là. Donc ça nous aide à accéder à plus l'intérieur des terres là-bas. Mais ici, on est sur ce qu'on appelle les terres de la couronne, les terres publiques qui... sont vraiment le territoire qui remplit l'ouest de l'Amérique du Nord et où il est très facile de se perdre, ou en tout cas de se perdre volontairement ou involontairement. Et donc il y a beaucoup de questions de gens qui, je pense, n'ont pas nécessairement cette expérience-là, qui ont certaines angoisses, certaines anxiétés, qui les projettent parfois sur les choses qu'ils voient sur YouTube et qui se demandent comment tu te... Oh, une belle trace de cerf ici. Mais donc, pour faire quoi? Eh bien, je voulais vous parler de comment je me repère en forêt. Parce que moi aussi, il y a une dizaine d'années, je partais en forêt, je m'attendais à ce qu'il y ait des balises, je m'attendais à ce qu'il y ait des signes qui me disent où aller. Je m'attendais à ce que, ben ouais, que tout soit balisé pour moi, que tout soit prêt pour moi, en fait. Et... j'ai réalisé qu'il y avait encore plus de profondeur et de bonheur à se perdre dans les bois. Mais pour ça, eh bien, il faut acquérir un certain sens de l'orientation. Alors ce n'est pas tout le monde qui a un sens de l'orientation, ça c'est un vaste sujet, mais je dirais que tout le monde peut en fait accéder à ce sens de l'orientation. Il y a des gens qui l'ont un peu plus, moi je dirais que je suis une personne qui l'a un peu plus de nature, mais je crois que beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le sens d'orientation l'ont, et tout repose sur la confiance en soi et sur la connexion avec son instinct, en fait, quelque chose qui est en nous et qu'on a un peu enterré au fur et à mesure des centenaires et des années qui nous déconnectent de notre humanité. C'est en nous de se repérer quelque part et ça se stimule. Et ça commence par partir. Je vais changer d'épaule parce que ça, je tenir la caméra, ça fait mal. Et ça commence par partir en forêt, dans des endroits que vous connaissez ou qui sont balisés, et ne pas tenir compte des traces et des balises et vous perdre un peu, sachant qu'il serait très facile de vous retrouver, de retrouver vos pas. Ça commence par exemple, suivre un sentier, aller tout droit et revenir sur ses pas et revenir à son camp de base, ou peu importe là où vous êtes stationné ou votre maison ou quoi. Et ensuite, commencer à faire des petits cercles de plus en plus autour de ce sentier-là. Commencer à essayer de vagabonder et revenir sur votre sentier principal. Après, pour les gens un peu plus avancés ou plus, disons, de niveau intermédiaire pour se repérer en forêt, commencer à prendre des points de repère, ça et là. Par exemple, une rivière à gauche. La rivière, elle descend toujours vers un endroit où il va y avoir sûrement à un moment une route ou quelque chose. Donc si vous vous êtes vraiment perdu, vous suivez, vous allez chercher l'eau. Avec l'eau, il y aura toujours de la vie. Quoi d'autre? Des arbres. Il y a certains arbres que vous pouvez reconnaître. Alors dépendamment de là où vous êtes, c'est sûr qu'ici dans l'Ouest, on a beaucoup plus d'arbres qui se ressemblent tous en fait dans ces grands pins, dans ces grands sapins Douglas. Ça reste que c'est plus difficile, mais dans d'autres régions, par exemple, il y a beaucoup de différents types d'arbres qui sont beaucoup plus reconnaissables individuellement. Mais oui, les arbres, le relief, les rigoles. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me fixe un point, disons, que je vais suivre, et j'essaie de découper le territoire en différents... Par exemple, si je vous montre ici... J'essaie d'avoir un point fixe, disons on va dire que c'est cette route-là. Et ensuite j'essaie de découper la colline en différents tronçons. Ça fait qu'après, quand je vais hors du sentier, eh bien je peux toujours me retrouver par rapport au sentier principal qui ensuite mène à là où je suis, soit stationné, soit là où je me suis campé, enfin peu importe. Et voilà, c'est ainsi que je me repère. Ensuite, il y a le soleil. Là, on parle d'un jour où il y a du soleil, donc on voit que l'Ouest est évidemment dans ce coin-là. Et donc, on peut ensuite tout se repérer par rapport à ça, vu que le soleil se couche. Ensuite, il y aurait un point fixe, par exemple. J'ai ici cette immense montagne derrière les... Enfin, immense, cette petite grande colline derrière les arbres ici que je vois depuis tout ce temps-là. Et il y a une montagne là-bas. Et donc, je vais suivre toujours, je vais essayer de garder en mémoire, dans mon cerveau à l'intérieur et dans le sentier que je suis, de garder ces points d'ancrage pour pouvoir, quand je veux définir un nouveau chemin, eh bien, je peux me repérer par rapport à ces points d'ancrage-là. Et c'est un peu la même chose quand on est sur l'eau, en fait, quand on est en kayak, en canot, en packraft, on veut toujours garder un point de repère de là d'où on est parti, parce que c'est très facile de partir sur l'eau et ensuite de se dire oh je vais retrouver mon chemin parce que c'est assez facile, c'est plat, mais en fait c'est très facile de se perdre même sur l'eau quand on fait des moyennes à grandes aventures. Mais donc voilà quelques points. Et ensuite quelque chose que vous pouvez faire, c'est soit si vous avez un GPS ou si vous avez un téléphone, c'est marquer toujours le point d'où vous partez et ainsi vous pouvez toujours vous retrouver. Et ça c'est un autre point, c'est apprendre à se servir de son téléphone comme GPS ou apprendre à se servir d'un GPS ou d'une boussole. Moi, il y a plein de vidéos qui le font déjà, donc je vous conseille d'aller voir ça. Mais je crois qu'il est super important d'être capable de se repérer par soi-même sur des moyennes distances sans GPS et juste avec soi-même, avec ses sens. Et je devrais ajouter aussi que souvent, il faut faire confiance en soi. Parce que quand on ne fait pas confiance en soi, c'est là où on doute. Et quand on doute, eh bien, on va commencer à amener des erreurs de jugement. Et moi, toutes les fois où je pensais m'être perdu, mais je panique pas parce que je sais que je vais retrouver mes pas. Surtout quand on travaille, ou quand on randonne sur des endroits où il y a des pentes, il est très facile de savoir quelle pente est où, et de savoir vaguement là où on se situe. Mais quand on est sur du plat, ça peut être un peu plus difficile. Donc, très important de se faire confiance et de ne pas douter ou d'arrêter le doute quand il commence à se matérialiser un peu trop fort en vous. Il faut vraiment apprendre à se connaître et c'est pour ça que je pense que le sens de l'orientation, ça s'acquiert comme en parallèle de la confiance en soi et du travail sur la peur, de ne pas avoir peur. Parce que la question « tu n'as pas peur de te perdre en forêt ?» c'est une question qui est évidemment reliée à une peur, qui est reliée à une sorte d'ignorance et aussi un manque de confiance en soi, parce que je crois fondamentalement que chaque humain est capable de se retrouver où qu'il soit, s'il se laisse ou s'il accède à ces facultés innées d'humain qui est supposé être en connaissance de sa nature. Et je crois qu'en fait tout ça, ça s'explique. Pourquoi on est si déconnecté, c'est parce que tout nous a désappris à avoir un sens de l'orientation. Parce que là où il y avait forêt, on a mis des villes. Là où il y avait terre, on a mis du goudron. On a mis des noms de rues. Et on a redéfini un peu qu'est-ce que c'est l'orientation. Suivre des quadrillages, suivre des rues et des routes. Au lieu de se faire confiance à soi-même, on fait confiance à ce qui est externe. Alors que souvent, son instinct premier va vraiment nous permettre de ne pas se perdre en forêt. Et donc voilà, je pensais vous faire un petit topo sur comment je ne me perds pas en forêt. Bon, il y a plusieurs fois où je me suis perdu, où j'ai dû faire des détours, mais justement, à un moment donné, eh bien, je me suis rattrapé et j'ai pu retrouver des points d'ancrage. Donc si vous ne les voyez pas, essayez de prendre un peu de hauteur, essayez de voir ce qui est au-dessus de la prochaine colline, essayez de voir où sont vos points d'ancrage, essayez de voir quel chemin. Souvent les chemins vont tous se retrouver, donc si vous trouvez un petit sentier, que ce soit un sentier de serre ou un sentier fait par les humains, vous allez souvent, tous les sentiers mènent là d'où vous venez, parce que vous n'êtes pas le premier humain à explorer le bois. Donc voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront plu et pourront servir à certains d'entre vous. Si vous sortez en forêt, vous pourrez penser à ces petites choses-là si vous ne les faites pas. Et je vous souhaite le meilleur, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne fin de semaine, peu importe quand vous regardez ça. Et je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.